L'étonnant homme au chapeau noir. Si la paralysie du sommeil est un phénomène connu, il semble que certaines personnes en souffrant soient victimes d'un phénomène tout aussi terrifiant, ils verraient un curieux homme en noir. Ce phénomène semble surtout américain, mais il semble qu'il se soit répandu un peu partout. D'après les témoins, lors d'une paralysie du sommeil, un mystérieux personnage vêtu de noir et portant un chapeau apparaîtrait. Si on lit la description de la paralysie du sommeil, d'un trouble du sommeil qui se caractérise par le fait que le sujet soit dans une phase d'endormissement ou de réveil, il est conscient, mais est dans l'incapacité d'effectuer des mouvements. Dans certains cas, il se passe qu'il y ait un phénomène d'hallucination. Dans certains cas, elles peuvent être visuelles, auditives ou tactiles. Ce qui est intéressant dans le cas de l'homme au chapeau noir, c'est que l'apparition de ce personnage est récurrente pour de nombreuses personnes. Un auteur, un certain Tim Brown, a créé un site internet afin que des personnes témoignent de leur rencontre. Il avait été victime de cette apparition et souhaitait savoir s'il était ou non le seul. Rapidement, des témoins de tous les États-Unis et du monde entier ont commencé à raconter leurs expériences. À chaque fois, les témoins sont effrayés et ressentent une peur panique en voyant cette entité. Ils ne voient qu'une sorte de silhouette ou d'ombre, jamais de traits ou de visage. Difficile de savoir si cette histoire est authentique. Les témoignages de cette apparition sont nombreux. Difficile de dire s'il s'agit d'un phénomène lié à l'inconscient collectif, ou bien si nous avons affaire à une véritable créature surnaturelle, une sorte de démon ou d'esprit.